Voilà, nous sommes au Parc Royal. Aujourd'hui, le 21 juillet, nous fêtons ensemble la fête nationale belge. Nous faisons partie du paysage belge avec nos différences et avec notre diversité. Et j'espère que de plus en plus, on verra d'autres associations et d'autres citoyens issus de différents horizons participer. On peut être belge à la fois issu d'une autre culture. Et puis, Inch'Allah, la semaine prochaine, on fêtera notre fête nationale marocaine. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes un collectif d'associations, donc c'est l'Espace Stephenson, donc c'est Askarbek, Dar el-Ward, avec AG Dignité, Hajjat Club, il y a également les CCIB qui participent avec nous à cet événement. Voilà. Donc, salam alaikum. بهذه المناسبه هذه ديال 21 جويلية العيد الوطني للبلجيكيين احنا تواجدنا هنا وكنا سعيدين على ان شفنا هذا التسامح اللي كان موجود وشفنا على ان الخوف من الارهاب ما كايناش وكنشكروا المسؤولين اللي نظموا هاد البديره هذه كما كنشكروا دار الورد اللي جينا نشوفوها وندعموها نظرا لتواجدها هنايا في البارك وكنقول لها تبارك الله على لاله نجاة سعدون دائما متواجده في اي مناسبه وطنيه كانت او بلجيكيه كانت وكنقول شكرا كذلك للامن الوطني والعساكر البلجيكيين ديالنا اللي كانوا موجودين وهذا الشيء كيثبت على اننا الحمد لله بقينا كنساو شويه ديال ديك العنصريه وبقينا نساو شويه تعلمنا شويه ديال التسامح وكل شيء متسامح وكل شيء كيشطح مع شي وشي كيغني مع شي وكل شيء محتفل بهذا العيد لان عيد وطني جمعنا وحنا نقول دائما ما كنخافوش من الارهاب ما دمنا حنا متواجدين لا خوف من الارهاب والحمد لله بلجيكا على خير وبخير الله يحفظ بلجيكا والله يحفظ المغرب Hallo iedereen, dus ik heet Jasmina, ik ben lid van Dar el-Ward en vandaag op de Nationale Dag zijn we hier allemaal samengekomen met andere culturen. Ik ben dus half Belg en Marokkaans en ik vind het dus leuk om dat met iedereen samen te delen en voilà. Salam alaikum, je m'appelle Ayet Bot, j'ai 19 ans et je suis issue d'un couple mixte belgo-marocain. Voilà, j'ai commencé la calligraphie à l'âge de 12 ans, plus ou moins. C'est mon père qui était... il dessinait beaucoup, il faisait beaucoup de calligraphie et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai commencé à faire comme lui au départ. Et puis j'ai développé mon propre style en regardant plusieurs expositions, plusieurs sortes de dessins. Voilà, je suis présente ici aujourd'hui, le jour de la fête nationale, voilà, pour... J'ai amené plusieurs de mes œuvres, de mes calligraphies, et je calligraphie aussi les noms des gens sur place. J'ai reçu la visite de beaucoup de personnes, donc il y a eu beaucoup de contacts aujourd'hui, d'artistes notamment, qui m'ont fait part de leurs avis, et ils sont tous positifs, et ça m'encourage beaucoup. Vu le climat actuel qui règne ces temps-ci, je pense que c'est important de marquer notre présence et de montrer que la peur ne prendra pas le dessus. Et j'aimerais diffuser un message de paix, montrer que les musulmans n'ont rien à voir avec ce qui se passe et que, comme tout le monde, comme tout être humain, je souhaite que la paix règne en Belgique comme partout dans le monde.